Salam alaikum, Mazoul, bonjour, bonsoir à tous les supporters algériens du monde entier et à tous les amoureux de football. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo et nous allons parler de cet acharnement médiatique, notamment au niveau des réseaux sociaux, concernant Islam Slimani. Donc, je rappelle la chose, c'est que Dembélé est absent pour plusieurs semaines. Donc, c'est un post qui est passé sur le club de Lyon, sur la page Facebook. Et là, on voit ce déferlement de haine injustifiée sur la personne, envers la personne d'Islam Slimani. Alors, un coup, c'est « il sera tout le temps hors jeu, il est nul, tout le temps quelque chose à lui reprocher ». Et bien sûr, il y a des commentaires, le fait qu'il soit algérien, bien évidemment. On sait très bien qui sont ces gens-là. C'est la même graine. Ils sont partout en France, dans différents clubs. C'est toujours des petites parties, hein. C'est pas la masse, hein. Mais bon, malheureusement, les choses nauséabondes, c'est là où on les voit, on les sent. En plus, c'est injustifié. Dites-moi, quels sont les attaquants à Lyon? Y a qui? Kadewere? Dembélé? Même Dembélé, putain, il a même pas eu sa place à l'Atlético Madrid. Il est revenu en courant et les gens, ils l'ont critiqué l'an dernier. Cette année, ils se prosternent devant lui. Alors que le mec, rien de spécial, mais vraiment rien de spécial. Y a qui? Cherki, vous le critiquez, bien évidemment. Hein, Cherki. Qui d'autre? Bah, Shaqiri, maintenant Shaqiri, il a mis un but. Là, il se. Oh, sublime! Oh putain, on l'a vu contre Lyon. C'était sublime. Contre le PSG, c'était sublime aussi. Non, et clairement, il n'y a rien. Il n'y a rien. Offensivement, il y a quoi? Slimani, depuis quelques matchs, il se défonce sur le terrain. Il a marqué à Glasgow. Il a pesé sur la défense de Glasgow. Il se montre disponible. Il court sur le terrain. D'autres joueurs marchent. Pareil contre le PSG. Il court. D'autres joueurs marchent. Il faut dire la vérité. Il se défonce. Il se démène pour essayer de trouver des solutions. Et là encore contre 3. Il fait le travail. Et par la suite, derrière, bah, ça vient. Ça met des buts. Ben oui, le boulot a été fait. Il a fatigué les défenses. Mais le truc que je ne comprends pas, au fait, il se donne à fond. Et pourtant, il ne joue pas souvent dans son poste de prédilection. Lui, normalement, il joue en 4-4-2. Avec un binôme devant. À deux attaquants. Comme c'était le cas à Monaco. Et à Monaco, les joueurs qui étaient derrière, Golovin et tout le reste, ils lui donnaient le ballon. Tout le monde cherchait Slimani. Tous les joueurs. À Lyon, non. Je regarde souvent les matchs, même des fois, parce que ça me fait chier de regarder Lyon. Mais voilà, je regarde parce qu'il y a Slimani. Je vois clairement que beaucoup de joueurs l'ignorent. Non seulement des fois il ne joue pas à son poste, en plus on l'ignore sur le terrain. Et pourtant il se donne à fond. C'est un vaillant, il est courageux, c'est un vrai guerrier. C'est pas une tafiole comme certains joueurs. Et après ça vient le critiquer. Mais en tout cas j'ai vu qu'il y avait des critiques. Ben là c'est du direct, hein. Là on a compris. Hein. Hein, international algérien. Vous voyez, on lit entre les lignes, on n'est pas aveugle, on n'est pas des idiots. On vous voit très loin. Ne vous inquiétez pas, dans les réseaux sociaux, on sera nombreux. Les Algériens, on est nombreux. On est comme une armée, on arrive comme ça. Ne vous inquiétez pas. Ça, ce n'est pas un souci. En tout cas, on soutient totalement Slimani. Je serai Slimani, franchement, après, il est libre. Hein. De toute façon, c'est sa dernière année, là, à Lyon. Je serai lui en hiver, part. Il y a une Coupe du Monde qui se profile pour nous, Inch'Allah. J'espère qu'on se qualifiera, Inch'Allah, je l'espère. Et tu seras très important dans l'échiquier de Belmadi. Tu feras mieux de changer de club. Parce que au mois de janvier, ils vont chercher un ou deux attaquants, deux joueurs offensifs. Ils vont te mettre sur la touche, tu ne verras plus le terrain. Voilà. Nous, parce qu'on veut ton bien, on te soutient et on veut que tu réussisses. Et je te conseille fortement de trouver un autre club. T'inquiète pas, il y en a plein des clubs. Il y en a plein des clubs. S'il faut, retourne même au Portugal, il n'y a pas de souci. Mais quitte cette équipe. Cette équipe nauséabonde depuis un bon bout de temps. Quand je dis nauséabonde, je parle surtout de pseudo-supporters et j'ai l'impression d'un coach qui ne veut pas de toi. Je pense que le vent a tourné malheureusement. Et pourtant, tu te donnes à fond et je te souhaite vraiment de claquer des buts jusqu'au mercato hivernal. Hein. Je te le souhaite pour leur fermer la bouche un petit peu. Hein. Voilà. En tout cas, force à toi Slimani, force à toi. Vive Slimani, vive l'Algérie, ce drapeau-là, que vous détestez tant. Regardez.
Les hommes. Salam alaikum.